Identifiez votre pourquoi. Et le pourquoi, je l'écris toujours, pour avoir le quoi, il faut connaître le pourquoi. Pour avoir le quoi de transpirer au sport, que cette dame-là, de travailler fort, d'affronter des tempêtes, il faut savoir pourquoi vous le faites. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, mon pourquoi, c'est par exemple la famille. Dans les moments difficiles, je supporte mon patron parce que je sais qu'avec ce salaire, je pourrais payer à bouffer mes gamins. Le pourquoi. Oui, je l'ai fait un petit peu court, mais vous devez comprendre qu'un projet fort, finalement, est composé de plusieurs ingrédients. Et j'aime les ingrédients, alors je vous en donne à nouveau. Un projet fort, c'est quoi? C'est d'augmenter votre degré d'accomplissement. Travaillez sur cette thématique, je ne peux pas y revenir maintenant. Numéro 2, faites la différence pour vous et pour les autres. Plus vous allez être utile pour les autres et plus vous allez performer. Cette notion est un peu complexe pour beaucoup de francophones. Numéro 3, comblez votre besoin spirituel et votre gratitude. Ça, on en parle durant la tournée 110 et le Weekend Spark. Et numéro 4, engagez-vous intellectuellement et physiquement. Et ça, durant le programme Starter, vous allez le travailler.